save gagné par Toulouse. Directement dans le fond et un gros pressing des Anglais. Vous avez vu notre superbe passe de Munoz de Bessinger. Et Bessinger qui a juste à la pousser au fond. Superbe passe. Ouais. Belle entrée en zone et les Scorpions qui arrivent du coup en 2 contre 1 sur la cage. C'est dommage pour Anglette parce qu'ils n'étaient pas dangereux. Et une petite contre-attaque, c'est qui va sortir Kanen. Allez, ça se bat bien là. Pertila. Bonne droite. 2-1. Pas qui revient sur Pertila qui envoie Tarkanen. Il est démasqué et ça du coup il a fait, on a l'impression d'y une petite faute dedans. Ouais, c'est peut-être un peu trop haut d'ailleurs. Mais je pense qu'il n'a pas vu le palais partir, il a été surpris et c'est son réflexe qui lui a fait faire ce geste-là en contre. Qui va lui remettre. De Pertila avec une pénalité qui était appelée contre nous sur Mazo, charge à retardement je pense. Voilà, bon bah comme quoi on amène le palais à la cage et qu'on est prêt pour les rebonds. C'est plus facile de marquer des buts. Ah ça tourne hein. Bon compte, Riando, un retour face à Papillon. Et but de il a été patient, il a visé ce soir. Belle passe de close et bonne lucidité de Riando. C'est que ça, c'est un exercice qu'il apprécie particulièrement. Il n'a pas pu, n'a pas parlé. Riando, ça va vite. C'est un nouveau but pour Riando, le deuxième de la soirée. À la vie parce que 3 buts d'avance, le break est plus confortable. Il reste 16 minutes 38 à jouer. Et les Mulhouses qui retournent dans le coin. Ouais. Il garde le contrôle du palais. Il va se chercher une solution. Il va peut-être attaquer la cage. Et but. Bon shoot. Et doublé d'assist avant. C'était pas Munoz, c'est Boyce qui l'a fait. Et oui, deuxième but pour Sportplay. Efficace ce soir du coup. 4-2. Ils reviennent dans la. Poudrier qui patiente, chacun a pris son poste. Bertila qui shoot à l'intérieur là, dévié par Keuze ou par Poudrier. Comme ils ont été dangereux sur le même mouvement au deuxième tiers. Et le slap à terre dévié. Il va se replacer. Bertila de l'autre côté. Pertila pour Poudrier. Oh là là, magnifique. Et qui trouve Riando. Voilà, coup du chapeau pour Riando ce soir. Belle, ouais. Super Poudrier. Powerplay aussi qui a très bien marché ce soir. Passé au but de Mizzo. Et oui, bon ben ça arrive, oui. Et puis dans le voilà, un bon jeu de power play et Munoz libre à cette place, il a réussi à foudroyer Chiron. C'est 6-3, match plaisant. Une prestation intéressante pour avoir cette trêve. Le point de vue comptable, c'est plus que satisfaisant. Thank you.
forcément. Il y a Andeo, Pertila, il y a des bonnes prestations des joueurs. C'est vraiment de bon augure pour leur match dans ce week-end de fête. Je rappelle que c'est les 50 ans du club ce week-end. Le maillot un peu spécial vêtu par équipe pour l'occasion. Le maillot vintage. L'homme des matchs pour les Scorpions. C'est vrai qu'ils ont fait la fin de surtout la deuxième partie de match très intéressante avec le reste de ces paires de lignes là. Ils ont mis un peu de rythme. Et du côté l'œil, la récompense sera. Le cali, Très belle soirée de hockey pour vous sur FanSite. Il me semble qu'il y a un match qui vient de commencer, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et puis sinon, on vous souhaite un bon week-end.